apprendre la manière de voir le cinéma et là, à mon avis, il vous faut des acteurs intelligents qui ont fait des études. Écoute, c'est deux choses. En fait, je pense que ce qui est intéressant actuellement pour moi, c'est que les acteurs me font confiance. C'est la base de tout, en fait. C'est-à-dire, un acteur, je ne lui demande pas de jouer le texte, je lui demande de s'abandonner. Et je vous donne des exemples très simples. Malik Ahmis, il ne sait pas nager. Quand je l'ai mis sur une planche, c'était rigolo, c'était marrant. Parce qu'en fait, à la fin, il a vomi. Parce qu'en fait, un mec, il ne sait pas nager. Tu le mets sur une planche et tu lui demandes de fermer les yeux, c'est la nausée. Donc il était comme ça, il a souffert, il a beaucoup souffert, à la fois parce que, je ne sais pas si vous connaissez Malik, c'est une pile électrique. C'est un mec qui est meticulous, il me dit, et donc je lui demandais de jouer. Il était malheureux. Pendant le tournage, il était malheureux parce que je lui ai dit, enlève tout. C'est-à-dire, je lui ai arrêté tout. Parce qu'on fait toutes les choses qu'il peut faire en tant qu'acteur, surtout que lui, il a une grande formation de théâtre, c'est-à-dire très expressif. Et puis c'est quelqu'un qui, c'est un ami, je le connais, c'est presque un grand frère, je le connais depuis 22 ans, depuis que j'avais 18 ans, je le connais, Malik Ahmis. Donc on se connaît très très bien, donc je l'ai contrôlé, c'est-à-dire je l'ai empêché d'exprimer des choses. Et pour lui, c'était une vraie souffrance, une vraie, vraie souffrance. Je pense qu'il a perdu beaucoup de poids. Chaque fois que je les ai coupés, il commence à courir. Mais c'est vrai, pour libérer cette charge d'énergie, d'électricité, parce que je lui demande de ne rien faire, de laisser la caméra travailler, etc. Et ça me rappelle mon deuxième court-métrage. Je travaille avec Khalfi, Mohamed Khalfi. C'est un vieux comédien. Et en fait, ça s'appelait Jardin des Ripatines sur Internet. C'était le rôle de quelqu'un qui parle en voix off, mais les gens lui répondent en vrai. Et en fait, tout le film, il parle en voix off, il attend sa fille qui va venir, il ne savait pas qu'elle avait une fille, il est très vieux, il est dans une sorte d'hospice. C'est un film de 2003-2004. Et en fait, j'ai une conversation très très étrange avec notre fille, qui est un vieux comédien, Delia. Écoute, on va répéter le texte, alors. J'étais jeune, ça. On répétait le texte, Galien Tabar Roche. Toi, tu veux me faire répéter moi. Galien Tabar Halid, tu fais un maghribi. Ça, et on est rentré dans un truc comme ça. Mais c'était intéressant parce que c'était un dialogue de génération, de trois générations, je ne sais pas combien. Je lui dis, écoute, oui, tu as l'air, mais c'est moi qui ai écrit ce scénario. Donc, soit tu le fais comme je veux, soit. Et du coup, en fait, on a réussi à trouver un terrain d'entente. Et il m'a dit un truc que j'ai trouvé très drôle. Il m'a dit, j'ai rien à jouer. Donc j'ai rien à jouer. Je dis non, mais regarde, on va te mettre ça, c'est la caméra qui va jouer, c'est l'éclairage, c'est ça, non, non, non. Ça ne lui fait rien. Et c'est difficile de lui faire rien. Il est là, c'est un corps extrêmement beau, extrêmement charismatique, avec une vraie présence, avec quelque chose de posé, tu vois. Il n'a pas besoin de s'agiter, de faire comme ça pour être un personnage. Et c'est finalement, c'est ça, en fait. C'est un problème de perception. Un comédien, parfois, il ne comprend pas qu'il participe à un tableau. Il pense qu'il doit dire le dialogue. Les plus mauvais, c'est ça. Un mec qui parle, qui parle, qui parle. Quand tu vois un comédien qui parle, qui parle, qui parle, qui parle, c'est qu'il n'arrive pas à jouer. C'est aussi simple que ça. Un mec qui arrive à jouer, c'est un mec qui parle, et puis regarde à gauche. Marlon Brando, c'était ça. Il a réinventé une manière de jouer. En fait, il ne lisait pas le dialogue, il parlait comme ça. Tu vois? Et tous ceux qui ont venu après, ils ont apporté quelque chose de l'ordre de la vibration de réel. Parce que quand on écrit un dialogue théâtral ou de cinéma, parce qu'à un moment donné, ça s'approchait beaucoup, c'était genre, il faut déclamer. Parce que tu parles avec le mec qui est très 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 loin, donc il faut... Dans le cinéma, en fait, le micro, il est là. Et même pour refaire le son à en post-production. Donc, tu peux... ça marchera aussi. Donc, et ça, c'était important. Sinon, pour les comédiens, moi je travaille avec eux de manière extrêmement simple. Ils me font confiance. Parce qu'on se connaît, parce qu'à un moment donné, j'ai fait mes preuves aussi. Parce que c'est ça aussi qui est important. Chaque fois que j'ai fait un film, on m'a dit, lui, il ne mérite pas d'avoir le premier rôle. C'est qui? Oh, je ne vais pas t'apporter. Il faut un comédien populaire, ou la Marouf, ou la Chihaja. Quand j'ai fait Salah n'était pas très connu. Quand j'ai fait Les Chiens, Hassan Badir n'était pas du tout connu. J'étais presque un mec qui sort de où. Après, il a beaucoup travaillé.
Malik Ahmi, ça faisait des années et des années qu'il travaillait, mais il avait toujours des second rôle, second, deuxième rôle, troisième rôle, etc., etc. Donc, le mettre à la base, c'était important. Ben Issa Al-Jelawi dans Star Girl Doc, je pense que vous l'avez vu, il livrait une performance monstrueuse. Les plans séquences qu'il fait, j'avais 10 pages de texte, il est hafad, 10 pages de texte. Après, il fait des morceaux de jazz, écoute, je veux que tu me fasses. Lui, il écoute pas de jazz. De façon, je ne sais pas ce qu'il écoute, mais c'est jazz. Donc, mais c'est un monstrueux comédien, mais il est effrayant, C'est-à-dire, je ne me rends pas compte. Comment il a fait ça? Moi, j'étais en train de cadrer, tu vois. Et en fait, c'est un mec qui a travaillé le texte en créant des espaces dans les phrases, parce que c'est ce que je lui demande. Et moi, j'écris un texte très très lourd, une sorte de pièce de théâtre, très... Le mec, il parle, il gerbe, c'est un vomi, il vomit. Littéralement, c'était ça la différence. Le mec, il parle pas, il vomit. Il vomit son passé, il vomit sa rancœur, il vomit toute l'aigreur du fait d'être déchu, parce que c'était quelqu'un qui était déchu. C'est Richard III, c'est Psré bien sûr, mais comment quelqu'un qui est déchu, qui était au sommet du pouvoir, du jour au lendemain, il est par terre et tout le monde lui crache dessus. Comment cette personne-là, dans sa tête, comment il est? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Et en fait, ce qu'il a fait, il est juste monstrueux parce que on n'avait pas beaucoup de temps pour tourner le film parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent, on n'avait pas du tout d'argent d'ailleurs. Tous les comédiens, ils jouent gratuitement, ils ont pro bono, parce que ils ont adoré le script, tu vois. Et je lui demandais en fait de connaître le texte de A à Z. Et en fait, on faisait 40 prises.